de combat qui rentre de 2 mois et demi de mission opérationnelle dans la zone Asie-Pacifique, dans les mers qui bordent les pays de cette région-là. Un bâtiment qui a rempli une mission importante, une mission de présence de la France, une mission d'affirmation de notre liberté de navigation et du respect du droit maritime, une mission de contrôle des tensions qui peuvent avoir lieu dans la région. Notre métier de militaire est de nous préparer aux missions que celles que le pouvoir nous confie, et nous sommes là aussi pour, s'il le faut, remplir et participer à des opérations dans un conflit de haute intensité. C'est ce que nous faisons en permanence. Une mission comme celle-ci, même si elle ne rentre pas dans ce cadre, permet à l'équipage de se préparer en permanence. C'est ce qu'il a fait tout au long de ces longs transits, de ces 2 mois et demi de mer, se préparer en permanence à toutes les situations, que ce soit en autonome ou que ce soit en partenariat avec les marines des pays partenaires. C'est ce qu'il a fait, il a eu au moins une dizaine d'exercices avec des bâtiments de forces navales partenaires. La marine nationale en particulier contribue directement à la stratégie de la France pour l'Indo-Pacifique qui vise notamment à s'assurer de l'application du droit de la mer, de l'application du droit international et de la liberté de navigation dans les eaux internationales. C'est l'un des volets de cette mission qu'a accompli le Vendémiaire en allant croiser dans des zones qui peuvent faire l'objet de contestations en mer de Chine méridionale ou au large de la Corée. Il l'a fait en montrant le pavillon français, car il est aussi là pour affirmer la présence de la France, qui est un pays du Pacifique qui tient à assumer son rang de puissance contributrice à la stabilité de ces régions du monde qui sont importantes non seulement pour les riverains, pour les populations qui habitent en Asie-Pacifique, mais également pour la France et pour l'Europe. Et c'est une mission assez exceptionnelle par sa longueur, mais ce n'est pas une mission qui se fait pour la première fois. Le Vendémiaire a déjà accompli à plusieurs reprises des missions similaires, d'une durée tout à fait similaire. Et par ailleurs, les bâtiments de la marine et les équipages de la marine sont habitués à opérer pour des durées parfois beaucoup plus longues. Donc oui, c'est une mission d'une durée assez inédite ou assez exceptionnelle ici en Nouvelle-Calédonie, mais ce n'est pas quelque chose d'inhabituel pour nos marins.